Bonjour à toutes et à tous, bienvenue c'est Vibe. Bienvenue aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo où je vais vous parler de comment prendre rendez-vous avec son tatoueur et ça commence tout de suite. Donc avant de commencer, je vais vous demander tout de suite de vous abonner, d'activer la cloche. Également, je suis disponible sur Instagram sous le même nom, donc Jason-Vibe-821. Et je vous invite également à mettre des commentaires sous cette vidéo pour me donner votre ressenti sur le lancement de ma chaîne. Avant de prendre rendez-vous chez votre tatoueur, je vous conseille d'abord de bien maîtriser votre projet. Quand je vous parle de maîtriser votre projet, c'est-à-dire d'avoir une idée précise de votre motif. C'est-à-dire, je vais prendre l'exemple du bateau. Si vous souhaitez faire un bateau, mais quel type de bateau? Un paquebot? Un bateau pirate? Les petits bateaux minimalistes? C'est-à-dire avoir une idée précise de ce que vous souhaitez, de l'endroit sur votre corps, de la taille, et éventuellement de trouver des exemples, et également dans quel style. Regardez, ceci est un bateau. Mais ceci aussi. Tous les deux sont des tatouages, mais c'est pas du tout le même style. Et ça, ce sera la clé pour obtenir votre rendez-vous et que ce soit clair aussi pour l'artiste. Maintenant, je vais vous expliquer justement comment on obtient son rendez-vous. Alors, bien sûr, avant de trouver son rendez-vous, il faut trouver son artiste. Pour l'instant, ce ne sera pas sur la chaîne que vous le trouverez, même si ce sera le but à terme. Donc pour l'instant, je vais vous donner un petit tips qui est d'aller sur Instagram et d'utiliser les hashtags. Hashtag Tatou Lille, hashtag Tatou Paris, hashtag Tatou Bordeaux. Bref, peu importe où vous êtes, utilisez le hashtag Tatou plus la ville où vous êtes. Ça permettra de voir justement les tatoueurs actifs sur Instagram et qui utilisent ces hashtags. Et comme ça, vous pourrez voir déjà s'il y a des artistes dans votre style. Sinon, il y a Google. Vous pourrez balayer l'ensemble des salons qui sont dans votre région pour trouver votre artiste. Attention, le style est bien important. C'est toujours mieux de se diriger vers un artiste tatoueur qui sait faire du trad, un artiste tatoueur qui sait faire de l'aquarelle, si on souhaite avoir un projet de ce type-là, plutôt qu'aller vers n'importe quel artiste tatoueur. Quand je dis n'importe quel, c'est en termes artistiques, hein. Forcément, le rendu sera meilleur avec quelqu'un vraiment qui a l'habitude de porter ce type de projet. Également, si vraiment vous ne trouvez pas d'artiste tatoueur, je vous invite à vous diriger vers les conventions. Les conventions, c'est un rassemblement d'artistes en tout genre, justement, en tout style, qui seront présents sur l'espace de 2-3 jours. Donc peut-être près de chez vous, n'hésitez pas à regarder sur internet pour trouver des dates près de chez vous. Voir des artistes renommés ou qu'il est rare d'avoir près de chez soi. Donc c'est vraiment l'idéal si vous souhaitez avoir une pièce particulière et c'est vraiment l'endroit où il faut être pour en profiter et avoir la chance de pouvoir avoir ces artistes-là pour se faire tatouer. Donc j'en reviens maintenant à la prise de rendez-vous. Là, vous avez trouvé votre artiste sur Instagram par exemple et vous souhaitez prendre rendez-vous avec. Donc je vous conseille d'abord d'essayer sur Insta. Mais souvent, les artistes ne souhaitent pas se faire contacter par Insta. Donc, vous allez voir en haut d'Instagram, il y aura l'espace mail. Et donc, je vous conseille quand même plutôt de vous diriger par le mail. Car beaucoup font comme ça. Vous pouvez faire un doublon, donc et le Instagram et le mail. Mais si c'est le cas, n'hésitez pas à le mentionner dans votre message. J'étais également contacté par mail en mettant tel objet. Comme ça, il pourra s'organiser pour pas traiter deux fois la même chose s'il s'en rend pas forcément compte, s'il y a beaucoup de demandes. Voilà, ça c'est le petit tips. Qu'est-ce qu'il faut mettre dans votre message? Ça, c'est important. Donc déjà, il faut mettre, bien sûr, ce que vous souhaitez, avec le plus de détails possible. Je vais reprendre l'exemple du bateau. Je veux un bateau de type pirate, mais avec les voiles fermées, car pour moi, ça représente ça. J'aimerais que sur la coque, il ait tel numéro, parce que pour moi, ça représente ça, qu'il soit placé plutôt à l'avant de la coque, qu'on voit le bateau plutôt de face ou de profil partant vers l'horizon, enfin bref. Mettez un maximum d'infos, de l'info, de l'info, de l'info. Ce sera la base de travail de votre artiste tatoueur. Également, la taille. C'est pas du tout pareil si on veut un tatouage sur le bras, mais qui prend que le haut ou la totalité du bras. Je vais prendre l'exemple d'une panthère. Une panthère, on peut venir la caler ici, comme on peut la faire vraiment descendre tout le long du bras. Soyez précis, donnez un maximum d'informations. Pensez à mettre votre budget. Alors oui, pour moi, un tatouage n'a pas de prix. C'est quelque chose que vous allez porter toute votre vie, même si maintenant il y a des techniques à bannir, mais qui ne s'effacent pas, qui vous allez porter chaque jour avec toute votre tenue, dans tous les styles, jusqu'à la fin, enfin à tout âge, donc à partir du moment où vous l'aurez fait.
Donc vraiment, c'est important de mettre le prix pour un travail de qualité, pour quelque chose qui vous ressemble, et éviter de faire des concessions par rapport à votre budget. Moi, je vous conseille d'attendre, d'économiser si malheureusement votre projet n'est pas en accord avec vos envies de tatouage et le projet que vous avez choisi. Mais néanmoins, je vous conseille de donner votre budget. Et comme ça, si vraiment vous souhaitez le faire rapidement, vous pourrez faire une concession et le tatoueur pourra vous diriger et dire bah pour ce type de tatouage, à ce prix-là, ce sera pas possible, donc je peux faire un peu plus petit. Vous voulez pas que ça prenne le milieu de votre bras, peut-être de le placer ailleurs pour que ce soit plus harmonieux avec votre corps. Enfin bref, c'est son travail de vous diriger et de vous donner ses conseils, mais c'est pour ça, soyez précis dans les infos que vous lui donnez. Et donc, bien sûr, on en parlait, l'emplacement. C'est-à-dire que si vous le souhaitez sur le bras, on viendra peut-être donner à votre motif une ondulation différente que si vous le faites sur une zone plate, comme au niveau des pectoraux, ou sur une cuisse, où là c'est quelque chose d'assez plat, et donc on peut venir faire un bel aplat, ou justement sur un bras, il va plus falloir jouer avec les formes. Parfois, également, on peut vous demander vos mensurations, justement, pour se faire une idée, parce qu'on n'a pas tous la même morphologie, donc il y en a qui ont des bras énormes. Non. Et il y en a qui sont plus fins. Et donc c'est là où je vous invite à, encore une fois, donner le maximum d'infos. Également, envoyez des photos. Justement, quand vous avez, si vous avez écouté mes conseils, vous avez cherché votre style, ce que vous souhaitez vraiment faire. Donc, vous avez déjà des inspirations. Vous avez cherché votre artiste, donc vous savez également dans quel style il travaille. Donc peut-être sur sa page, vous avez pu trouver des exemples. Donc n'hésitez pas à lui envoyer et également de commenter ces exemples. Pas juste lui envoyer les photos comme ça, lui dire sur cette photo-là, j'aime ce bleu. Sur cette photo-là, j'aime plutôt la coque, je trouve vraiment que c'est sympa. Sur cette photo-là, j'aime le fond. Moi aussi, j'aimerais un fond dégradé sur mon tatouage. Bref, encore une fois, apportez de l'info et soyez précis. Je vous invite également à être patient. C'est-à-dire que les artistes tatoueurs qui ont également énormément de demandes qui les polluent. Malgré tout, ces demandes qui les polluent, après avec le métier, ils en ont conscience, mais peut-être, il y a quand même un client en bout, ils doivent y répondre, donc ils doivent recevoir sûrement énormément de mails à traiter. Soyez patients et également suivez votre artiste sur Instagram. Régulièrement, ils disent quand ils vont traiter leurs mails, également où ils en sont, et si les mails ne sont pas traités, il vous invite à le renvoyer au cas où ils sont passés à côté, chose qui peut arriver. N'oubliez pas également, avant de gérer son agenda, c'est tout simplement un artiste qui travaille. Et donc, il sera la plupart du temps en train de tatouer plutôt que de traiter sa boîte mail. Donc ça aussi, il faut le comprendre. Si votre artiste est près de chez vous, je vous invite à aller au shop pour plusieurs choses. La première, ça vous permettra éventuellement de tomber sur votre artiste. Si je dis éventuellement, c'est parce qu'il est possible qu'il ne soit pas au shop pour sa vie privée ou parce qu'il est en convention ou en guest. Mais au moins, ça vous permettra de voir également son shop, de voir si c'est dans votre mood, si vous vous sentez bien, de rencontrer ses collègues, de vraiment vous mettre déjà dans le mood de votre tatouage. C'est le vôtre, faut vous l'accaparer, c'est quelque chose que vous allez porter, donc faut que vous vous sentez bien. Et en plus, par chance, s'il est là, et qu'il est disponible, parce que certains, quand ils sont en train de tatouer, ne stoppent pas, préfèrent rester dans le mood du tatouage, ce que je peux comprendre. Et c'est même bien pour vous, parce que vous allez voir du coup que vous avez un artiste impliqué. Ce qui ne veut pas dire que ceux qui prennent le temps de s'arrêter ne le sont pas, c'est juste qu'ils arrivent à travailler comme ça. Et donc s'il est là, justement, encore mieux, vous allez pouvoir échanger avec. Donc là, pareil, n'hésitez pas à venir avec des photos. Et du coup, bah, tout ce qui est aspect corporel, position, tout ça, ce sera beaucoup plus simple. Donc n'hésitez pas à vous déplacer dans les shops. Également, si vous avez donc un premier échange par mail et que vous êtes dans la région, n'hésitez pas à lui proposer de venir. Ça peut être encore une fois un plus. Ne soyez pas étonné qu'on vous demande de déposer des arts, souvent c'est ce qui est employé comme expression, car forcément, dans tout métier où il y a de la prise de rendez-vous, il y a de l'annulation. Les artistes tatoueurs, une fois que vous leur avez exprimé votre projet, que le rendez-vous est posé, ils vont travailler sur le dessin. Donc je reviens sur mon bateau, hop, mon bateau, ça y est, la coque, c'est écrit 18, il a pas de voile, il fait son dessin, il prépare votre projet, et vous venez pas. C'est une perte de temps. Donc la dépose d'art, c'est pas préparer, entre guillemets, vous demander de payer en avance votre tatouage, c'est, entre guillemets, vous payez votre dessin, il est prêt, vous venez le faire, c'est bien, et parce que forcément, il y a sa journée à rentabiliser, cet horaire-là qui est fait pour vous. Si vous venez pas, bah au moins, il y a une petite compensation, il n'aura pas travaillé pour rien, et voilà, c'est quand même plus cool. Aussi, si malheureusement, vous êtes
vous pouvez pas vous présenter sans vouloir faire de mauvais coups. Dites-lui, et dites-lui le plus vite possible. Certains ont la force des réseaux, certains tatoueurs ont la force des réseaux pour faire prendre quand même ces créneaux-là. D'autres ne l'ont pas, mais c'est la politesse de prévenir, donc dites-lui. Et donc bien sûr, si c'est pour des raisons qui ne sont pas de votre volonté et que vous avez prévenu votre tatoueur, pourra donc vous replacer votre rendez-vous. Par contre, ne soyez pas étonné s'il vous redemande un nouvel acompte et que le premier soit perdu. Il y a très peu de tatoueurs qui fonctionnent comme ça, justement pour entre guillemets vous remercier de votre honnêteté. Mais il faut comprendre quand même que pour lui, c'est une après-midi de perdu. Imaginez qu'on vous retire une après-midi de salaire pour une raison qui n'est pas due à vous. C'est quand même embêtant et donc soyez un peu compréhensif avec lui s'il fonctionne de la sorte. S'il fonctionne pas de la sorte, il replacera le rendez-vous et cette fois-ci, ce sera à vous d'assurer votre présence. J'espère donc que cette vidéo vous a plu et maintenant, on passe au teasing. Donc, je serai le vendredi 13 au Mothership Tattoo Club de Lille pour réaliser mon premier vlog car je vous le rappelle, le concept de ma chaîne sera de devenir l'annuaire du tatouage. Je suis super content d'aller pouvoir réaliser mon premier tournage. Un artiste tatoueur que j'ai déjà pu rencontrer autour d'un petit verre de thé pour discuter justement de ma chaîne et j'ai hâte de vous le présenter et de vous présenter son shop. Je serai également chez Blade Blaster Tattoo à Verquigneul ce samedi. La vidéo arrive très vite. Et enfin, le dernier shop déjà booké, c'est un artiste qui a déjà pu me tatouer, qui fait partie de ma collection de tatous au niveau de mes jambes, mes tatous trad. Il s'agit de Antonoir qui travaille chez Freaky Family et donc c'est dans ce shop que j'irai pour réaliser un de mes vlogs. J'ai hâte. Et enfin, dernière info dont je suis très fier, je ferai partie des médias officiels du Tattoo Event Douai qui sera une convention qui se passera du 11 au 12 novembre. J'ai hâte. Et voilà, c'est la fin de cette vidéo. Merci d'être présent. Si vous ne l'avez pas fait en début de vidéo, je vous invite donc à vous abonner, à mettre la cloche, à commenter, me dire ce que vous en avez pensé, si ça a pu vous aider et vous éclairer sur comment prendre votre rendez-vous. Je vous invite également à aller voir mon autre vidéo où je vous présente les styles de tatouage et la toute première qui vous décrira vraiment le concept de ma chaîne. En attendant, n'oubliez jamais, good vibe only. Ciao.